Bonjour et bienvenue sur notre émission Boost Boucoure. Je suis Ygrin S, le positiviste. Nous sommes à Mota pour l'émulation de l'école Poupée Nathan Africa, située à proximité de la station Total. Et restez tout de suite connectés pour la suite. Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Tout le monde avec moi. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Leur tâche, dis-le à Rolf. Après cela, mesdames, messieurs, chers invités, une fois de plus, bonjour. Bien, ce jour, normalement, c'est le jour des apprenants. La parole leur sera accordée avant de passer à la proclamation des résultats. Cette parole qui leur sera accordée se fera par une série d'interventions. Nous aurons à assister d'abord à la sortie des enfants du CP1 qui interviendront pour une petite éduquée. Et les correcteurs, ce serez vous les parents. Nous passerons ensuite en classe de CP2 quelques questions d'intelligence qui seront posées à ces apprenants. Et en classe de CE1, au CP2 toujours, hormis ces questions d'intelligence. Alors, vous savez, la conjugaison nous dérange, même jusqu'à un certain âge. Et ces enfants interviendront en conjugaison, juste c'est une initiation à la conjugaison en cas de CP2. Au CE1 également, il y aura quelques questions qui interviendront. De la classe du CE2, on fera intervenir également. Va intervenir plutôt dans une. On peut appeler ça un petit sketch. Et nous comprendrons quelle morale sera soutirée de ce sketch. Et puis interviendra le mot de l'élève qui nous conduira vers la proclamation des résultats et ensuite à notre apéritif. Pour ne pas abuser de votre temps, nous allons demander à la titulaire de la carte du CP1 de pouvoir bien installer ses apprenants et passer à la petite équité. Et la maîtresse, ça sera aussi une élève qui va faire cette équité. L'école est une bénédiction qui t'aidera à bien faire tout dans ta vie. Voilà pourquoi il faut aller à l'école. Je m'appelle Loco V. J'ai 6 ans, je suis en classe de CP1. Je suis la maîtresse. Je suis sûr.
Un point pour eux. Bien, vous voyez que vous avez constaté que l'enfant a lu, c'est comme mot d'amour, nous revenons de loin. Alors nous allons demander, laisse les ardoises, les enfants allez donner les ardoises aux parents. Ils vont corriger la dictée à n'importe quel parent pour corriger la dictée. À n'importe quel parent, remettez les ardoises. Il réussira à bien faire le commerce, parce que dans le commerce, il y a des calculs. Il arrivera bien jouer la musique, car dans la musique, faut savoir composer. Et il fera bien le journalisme, puisque pour le journal, faut des expressions. Il faut aller à l'école. L'enfant a juste écrit la lettre E. Il a omis d'écrire de le faire accompagner par la lettre F. Un bravo pour Elian. Nous avons Sifoundou. Dorine a vu le père de son ami sur la moto. Il a même mis une action sur le père. Quelquefois, nous avalons ses actions, je ne sais pourquoi. La poche qui est au bras avec un combat d'action. Un bravo pour tout. Nous avons Murta également. Dorine a vu le père de son ami sur la moto. 10 sur 10. Un bravo pour vous. Vraiment, les parents peuvent nous accompagner aussi à la maison en faisant des petits à ses enfants. Ça nous avantage. Sans tarder, nous allons passer à la classe de CP2 pour des questions d'intelligence. Soukoukiki, que signifie la E-F? La F, donc A-E-F. La F. L'Afrique équatoriale française. Que te rappelle la date du 28 novembre 1958? La date du 28 novembre 1958 nous rappelle la proclamation de la République du Congo. Ngunga et Lyon, quand a commencé la guerre en Ukraine? La guerre en Ukraine a commencé le 24 juillet 2022. C'est le temps que vous êtes là. Vous devez avoir un tonnerre d'applaudissements. Et un bravo encore pour ces enfants. Nous allons continuer en classe de CP2. Cette fois-ci, nous appelons Bakinga, Bilelama et Matisse. Bonjour à tous. Je m'appelle Bakinga Splendor Charon Gracias. Je suis en classe de CP2. J'ai 7 ans. Bakinga Splendor Charon, peux-tu conjuguer le verbe être, le verbe avoir au présent? Bien sûr, je conjugue le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle a.
Sharon. Je suis en classe de CP2. J'ai 7 ans. C'est bien, mon Cissé. Peux-tu conjuguer le verbe avoir au passé composé? Oui, bien sûr. Je conjugue le verbe avoir au passé composé. J'ai eu, tu as eu, il ou elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, il ou elle ont eu. Bilelama, peux-tu conjuguer le verbe être au présent? Bien sûr, je conjugue le verbe être au présent. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. C'est très bien. Vous savez, la conjugaison est la base du français. Si pour certains de nos amis ou staff qui arrivent ici, ils nous disent souvent, moi, il n'y en a pas compris. Parce qu'il n'y a pas la maîtrise de la conjugaison. Mais s'il y a la maîtrise de la conjugaison, on pourra bien placer les mots. Une fois de plus, un bras de soutien. Bien, nous passons en classe de CE1. Ici, c'est comme un rappel. En histoire, notamment en ce qui concerne notre pays. J'ai invité les classes C1, Gondo et Iguala. Bonjour, je me présente, je m'appelle Gondo Koutoukine d'Angèle. J'ai 8 ans, je suis en classe de CE1. Bonjour à tous, je m'appelle Iguala Odifus et Gauté. J'ai 8 ans, je suis en CE1. Dolo, est-ce que tu peux nous citer des présidents qui se sont succédés à la tête de notre République, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont été chefs de l'État au Congo? Tu peux nous le citer? Bien sûr, je le peux. Fulbert Lulu de 1960 à 1963. Massouba Djeba de 1963 à 1968. Marianne Wadi de 1968 à 1967. Jean Yombi Opango, de 1977 à 1979. Pascal Issouba, de 1979 à 1992. Denis Sassou Nguesso, de 1992 à 1997. Denis Sassou Nguesso jusqu'à nos jours. Un bravo! C'est difficile quand nous cite ces chefs d'État tels qui se sont succédés avec des dates précises. C'est vrai, vous allez constater que pour Lissouba, il y a eu un glissement, mais c'est un lapsus, il faut le comprendre. Bravo pour cet accord. Alors, voilà. Tu peux nous citer les périodes de la préhistoire? Bien sûr. Allez-y. La préhistoire est divisée en trois périodes. Ils sont l'âge de la pierre taillée ou paléolithique, l'âge de la pierre polie ou néolithique, l'âge des métaux. Un bravo! Rien que pour prononcer paléolithique pour certains, c'est comme si on lui demandait de quitter l'eau de la mer. Mais ça a été facile pour cet enfant. Un bravo pour les deux. Que nous dit le texte de la poule rouge? Les enfants vont nous faire la petite démonstration. Bonjour à tous. Je m'appelle Gindirel Paulina. Bonjour à tous. Je m'appelle Kisunga Daniela Vieux. Bonjour à tous, je m'appelle Wani Ananeda. La petite poule rouge grattait dans la cour. Quand elle trouva un grain de blé, elle dit, qui est-ce qui va semer ce grain de blé? Pas moi. Ni moi, alors je le ferai. Quand le blé fut mûr, elle dit, qui est-ce qui va porter ce grain au moulin? Pas moi. Ni moi, alors je le porterai.
Quand le blé fut moulu, elle dit: qui est-ce qui va faire du pain avec cette farine? Pas moi, ni moi, alors je le ferai. Quand le pain fut cuit, elle dit: qui est-ce qui va manger ce pain? Moi, non, pas vous. Moi et mes poussins, nous le mangerons. Clac, clac, venez mes chéris. Bravo. Donnez un applaudissement, s'il vous plaît. Dans notre système de choses, il y a ce qu'on appelle les basolania. Ils ne veulent pas travailler, mais veulent seulement manger. Pourtant, la petite poule a eu à gratter dans la cour pour trouver du grain. Malheureusement, quand il propose à ses amis de le porter vers le moulin, afin qu'on puisse avoir la farine, tout le monde a refusé. Mais quand il s'agissait de manger, tout le monde était présent. Belle leçon de morale. Un bravo pour nos enfants. Les enfants du CP1 vont s'exprimer. Et nous allons voir de quoi ils sont capables. On va au village chez mon oncle. Quelles sont les activités des habitants de son village? On va sur la terre et l'éléphant. Moi, j'aime bien retrouver les vaches, les chèvres et les cochons. Vous allez au village aujourd'hui? Non, nous irons demain matin. Je venais dire à Adam volontiers et papa sera content. Moi, j'aime la campagne, j'aime ramasser les fignards. Et moi, je préfère soigner les animaux. Alors, pendant les vacances, les enfants vont s'intéresser aux activités agro-pastorales. Mais ça ne se fera pas à Pointe-Noire, c'est dans un village. Combien sommes-nous à emmener nos enfants au village? On a souvent peur de l'oncle qui a la calvitie, sinon il va nous faire dépasser les enfants. Un bravo pour ces enfants. Je m'appelle Ernest. Je suis maternelle. Je vais chanter l'hymne national. Un seul jour, les soleils se lèvent et nos creux sont vos responsables. Il est longueur, sage, à songer, sans s'en foutre, avec verve. Et chanter est là, si on relève debout. De maîtriser les couplets et tout dans les versets de l'hymne national. Un grand bravo. Remerciements à nos maîtresses et
à monsieur le directeur. Pour leur savoir-faire et surtout leur savoir-être. 9 mois durant, vous avez su gérer nos caprices, devoirs de maison non faits, manque de ponctualité. La liste des caprices est longue, mais vous n'avez cessé de nous encourager. Les punitions étaient parfois au rendez-vous, mais ce qui compte aujourd'hui, ce sont les résultats. Résultats que nos parents apprécieront à leur juste valeur. Les bons élèves mériteront le passage en classe supérieure. Les autres reprendront la classe. Sachez que l'échec n'est pas une fatalité. Ne dit-on pas que pour mieux sauter, il faut reculer. Bravo, on l'aurélia. Et félicitations à tous les élèves. À nous revoir le lundi 3 octobre 2022 à Nathan Afrique. À 7h38, je vous remercie. Il a prononcé le discours avec une communication visuelle. Lorsqu'il a parlé des parents, il a regardé les parents. Et quand il a parlé du directeur, il a fustigé le directeur par un regard. Un bravo. Présent 7-1. Fin. Fille 15. Admis 17. Fille 13. Pourcentage d'admission 85%. Refusé 3. Fille 2. Pourcentage d'échec 15%. Un bravo pour cette fille. Nous passons automatiquement à la distribution des cadeaux. Première, Kumba Las. Deuxième, Moulou Anaël. Angunga Elion. Angunga Elion. Quatrième, Loco Luemba. Cinquième, Fundu Emmanuel. Moulou Anaël, 8,50. Angunga Elion, 8,45. Loco Lemba, 8,22. Fundu Emmanuel, 7,97. Il n'est pas interdit aux parents de faire des photos. Nous sommes maintenant classe CP2. Alors je vous dis déjà d'avance que si on classe CP2, les filles nous ont tués. Comprenez ce que je veux dire. Première, Matissé Maria, 8,73. Matissé Maria, 8,73. Deuxième, Dando Lisa, 8,65. Troisième, Sukumbiki Anaël,
849. Sukumbiki Anaël, 849. Ça, c'est notre Miss. Quatrième, Bilelama Sylvia. Cinquième, Mamba Kwakwa. Un papa qui il a sauvé les hommes, celui-là. Mamba Kwakwa avec 8 de 26. Le Harold, à Preslor et surtout à Déborah. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Juliana, toi, ne l'oublie pas. Si tu veux réussir dans la vie, va à l'école. Si tu veux aller loin dans la vie, va à l'école. Et vise d'abord tes leçons avant d'aller à l'école. Sinon tu t'exposes à ne pas comprendre celle qui suit. Celui qui s'en va à l'école parviendra bien faire tout dans sa vie. Celui qui s'en va à l'école parviendra bien faire tout dans sa vie. Il réussira à bien faire le commerce, parce que dans le commerce il y a des calculs. Il arrivera bien jouer la musique, la musique faut savoir composer. Et il fera bien le journalisme, puisque pour le journal faut des expressions. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Chers enfants, il ne suffit pas seulement d'aller à l'école, hein, mais aussi et surtout il faut très bien y travailler. Claudicia, es-tu d'accord avec moi? Si tu veux réussir dans la vie, va à l'école. Si tu veux aller loin dans la vie, va à l'école. Vos parents, avant l'école, faites d'abord le petit déjeuner pour les enfants, car un ventre affamé n'a pas d'oreille d'un. Celui qui a été à l'école franchit là où les autres s'arrêtent. Celui qui a été à l'école franchit là où les autres s'arrêtent. Il peut donner de bonnes interviews, voire même bien commenter ce qu'il a vu. Et il a un raisonnement différent de celui qui n'a pas été à l'école. En toute chose, il y a un premier. Je ne voudrais pas parler des derniers, mais sinon vous signalez d'abord que la moyenne la plus élevée de l'établissement est de 8,73 en classe de CP2. Et la moyenne la plus faible en classe de C1 avec 3,62. Nous lui avons prévu un cadeau. Et dans ce cadeau, il y a encore autre chose. Il est mieux que ça soit visible. Dans le premier, la première enveloppe, elle avait déjà aussi d'autres choses. Nous lui avons offert un livre de mathématiques parce que les mathématiques c'est un véritable casse-tête pour nous apprenants. Nous avons pensé l'accompagner avec le livre de mathématiques, de crayons, de stylo rouge, de stylo bleu. Ça paraît minable, mais c'est très significatif. Un bravo pour Mathisé. Mathisé, un petit sourire toi aussi. Nous allons appeler Madame Diakabana pour remettre le prix à sa petite fille, Mantissé Maria. Le meilleur de l'établissement au collège, il s'agit de Monty Chris avec 15,48. Alors, son cadeau, nous avons pensé de mettre encore un lot de cahiers plus un cahier d'activité.
Dans ce cahier d'activité, il y a un ramassis des français, des mathématiques, SVT, physique, chimie, mais aussi le corrigé des exercices. Je crois que il serait déjà avantageux en classe de 5e lorsque les parents vont compléter autre chose, si vraiment ils peuvent le faire. Un bravo pour les absents. C'est le premier de l'établissement, avec une moyenne de 15,48. Test en télé. Et comme tu es heureux, nous voulons continuer à t'accompagner dans ton bonheur. Ce cadeau est le tien. Tu trouveras là-dedans un livre de mathématiques, de cahier d'activité. Et un autre cahier. Tu es le premier, tu as d'abord reçu un premier cadeau parce que tu es le premier de ta classe. Et tu as encore reçu un autre cadeau parce que tu es le premier. Alors, que comptes-tu faire pendant tes vacances pour mieux affronter la classe de 5e? Pendant les vacances, donc, il va essayer de revoir son cahier. Un bravo. Vous savez, l'or ne brille jamais à l'état pur. Il était de passage. Il se disait, bon, mais nous avons pensé que, comme il est le meilleur de l'établissement, je le retiens pour l'apéritif. À l'époque, c'est la plus célèbre du préscolaire. On l'appelle Mama. Alors, on va applaudir Mama. On va lui donner son petit cadeau. Mama. La plus célèbre et aussi la plus capricieuse. Hein. Mama. Ah, Mama tient le cadeau. On applaudit pour Mama. C'est beau. Ah, celle qui nous a chanté l'hymne national, ma samba, avec les deux mains. Ma boumou Nathan, l'homonyme de l'école de Nathan. Ah, tiens bien. Parce que... Ah, j'ai dit non. Zambi Serena. Il peut donner de bonnes interviews, voire même bien commenter ce qu'il a vu. Et il a un raisonnement différent de celui qui n'a pas été à l'école. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école. Thank you.
Allez, 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 tous les enfants. Ici le sage conseiller, hein. Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Tout le monde, tout le monde, tout le monde avec moi. Il faut aller à l'école. Les enfants. Dis-le à Rolf, à Preslor et surtout à Déborah. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça s'appelle? Tika David. Merci monsieur Tupaya. Monsieur Tupaya, pardon, vous avez besoin de vous entendre de moi. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre nom de moi? Je suis venu récupérer le mérite de mes frères et sœurs. Ils ont travaillé si dur pendant 9 mois et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ah, donc si nous comprenons bien, ce sont les cadeaux. Oui, les cadeaux. Ok. Et quelles sont alors vos impressions par rapport à l'éducation? C'était bien organisé, sauf que le problème était juste le défaut d'heure. Ça a commencé un peu tard. Sinon, il n'y avait pas à dire. Quand il s'agit de parler, le directeur était là. Si c'est pas allé, on touchait quelques mots, il était là. Mais ça serait bien que c'est plusieurs parents viennent inscrire leurs enfants ici. Quand on parle du bon pour un enfant, je sais bien qui réussit à faire la cité, et je sais bien qui réussit à vous citer tous les présidents du Congo avec leur date pendant laquelle ils ont gouverné. Je sens qu'il y a du niveau ici. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Oui, nous sommes ravis d'être chez vous. Alors nous voulons savoir quelles sont vos impressions par rapport à l'émulation que vous venez de nous présenter aujourd'hui. Bien, vous savez, ça nous fait être une joie de partager ces moments avec les parents de l'Est. La proclamation des résultats, c'est une joie pour certains et une tristesse pour les autres. Nous voulons encourager ceux qui n'ont pas pu atteindre la moyenne requise de faire un peu plus d'efforts l'année qui suit. Mais ceux qui sont admis, et de ne plus baisser les bras, de continuer à fournir des efforts afin d'aller de l'avant. Sinon, c'était une joie pour nous. Merci, monsieur le directeur. Alors, quel est votre mot de la main pour clore cette. Vraiment, pour clore cette cérémonie. C'est un grand plaisir d'avoir été couvert par une chaîne de télévision numérique comme Poste 242. Nous souhaitons vous retrouver dans les prochains événements et nous disons bonne vacances à tous et plein succès à tous ceux qui sont allés. Merci pour votre aimable attention sur notre émission Poste Lukolo, l'émission qui fait la promotion des écoles. Nous étions à l'école privée Nathan Africa, située en Mbota, à proximité de la station totale Mbota. Maintenant, nous vous demandons de rester scotchés pour un prochain numéro. Au revoir.